Hello tout le monde! Levé à l'aube pour aller à la caravane un samedi matin, enregistrer tous les tutos comptines. C'est parti! Pourquoi à l'aube? Parce que c'est la caravane, c'est samedi, et que ce serait dommage de ne pas profiter d'une grasse matinée. Non, parce que il va faire chaud cet après-midi. En fait, la deadline, c'est mardi, voilà. Du coup, il faut que j'enregistre forcément ce week-end. Demain, il pleut, donc pluie sur caravane, sont pas top. Donc aujourd'hui, il fait un peu plus chaud que d'habitude. Du coup, c'est aujourd'hui ou jamais. Et si je veux éviter la chaleur dans la caravane, car l'idée, c'est pas forcément d'ouvrir les fenêtres pendant le tournage, et ben il faut que ce soit ce matin. Hey, voilà. Donc j'étais enrhumée depuis une semaine, mais là ça va mieux. J'ai encore le nez bouché, ça m'embête. Mais bon, tant pis, on peut pas tout avoir. Et du coup, bah c'est parti. Je vous raconte pas le bazar que c'est dans la caravane. Du coup, bah, je vais vous montrer. Ok, bienvenue dans la caravane studio de ce matin. Hop. Alors, attendez, je rentre pas tout à fait. Tatitata, regardez-moi tout ce bazar. Mais oui, bon, j'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer où ça en est, mais moi je vais être là-bas, sur le ukulélé. Le téléphone il va être là. Et ça, messieurs, dames, ce sont les coulisses des tutos. Voilà, je vais faire les petits réglages de lumière. Et puis go, parce qu'en fait là il fait trop frais, ça fait trop du bien. Parce que quand le soleil tape, ça chauffe dans la caravane. Du coup c'est parti, go! Ok, la vidéo dans la voiture, il était 9h, maintenant il est midi. J'ai tout fait. J'ai bien fait de me lever à l'aube parce que qu'est-ce qui fait chaud dans la caravane? Waouh! Bon, tout s'est bien passé, c'est cool. Je vous montre quelque chose que sans doute vous réalisez pas. Que je suis également magicienne. Non mais c'est pareil pour la miniature de quand c'est sur la miniature, c'est la photo que vous voyez apparaître sur la première page, sur la vidéo de YouTube, c'est une photo que j'ai prise. Et sur la banquette de Diane, c'est pareil, il est de travers, il tient pas tout seul, hein, le ukulélé. Il tient avec un bout, bah d'ailleurs on le voit là, faudrait que je l'enlève, un bout de corde, d'ailleurs en fait c'est un bout de corde que j'ai accroché dans le rideau qui tient à pas grand chose, autant vous dire que ça prend un temps fou. Et c'est jamais réalisé, enfin les gens ne le voient pas. Donc voilà, ça pour vous dire que ça j'ai bien dû mettre une demi-heure là, juste pour positionner et réussir à prendre une photo qui va ressembler à quelque chose. Donc vous penserez à moi quand vous verrez la miniature de chaque vidéo. Bon bah c'est cool. Et bah écoutez, il me reste encore des incrustations à faire avec des plans pour l'accordage du ukulélé. Et c'est bon. Ça va être trop bien!